Aubin pour voir ce deuxième tronçon de cette 36e édition du Tour de Yole de Martinique. Alors, Béatrice, comment ça se passe pour vous depuis le prologue? C'est vraiment au niveau du Robert, là, c'est magnifique, vraiment plein de couleurs, c'est beau, c'est chatoyant. Il faut venir voir, c'est vraiment un tour formidable et c'est une belle journée qui nous attend aujourd'hui parce que le ciel, il est clair, bien lumineux et vraiment, je passerai une belle journée. Un pronostic pour l'arrivée à Trinité? Vraiment, je suis pour le Robert, oui, je suis pour le Robert, mais bon, victoire au plus chanceux, voilà, et puis au plus méritant. En fait, quand tu auras une étape difficile à passer, c'est le canal de l'écurie? Absolument, absolument, il paraît que c'est un petit peu mouvementé par là, s'il y a un peu de vent, ça va être un peu lourd, mais bon, ça ira. On prie que tout se passe pour le mieux. En fin de compte, ils vont passer en file indienne puisqu'il n'y a pas assez de place pour deux bateaux, deux yoles pour pouvoir traverser ce petit canal délicat. Alors, ce qu'on les souhaite, c'est d'être en file indienne pour sortir de cette, on va dire, ce petit marécage un peu technique. Voilà, parfaitement, oui, c'est tout ce qu'on souhaite. Hein. Que le tour se passe très très bien cette étape, qu'elle soit belle jusqu'à l'arrivée à Trinité. Merci.